Le meilleur apprenti de France, c'est un concours sur la base du volontariat. Et donc on nous impose une pièce, chaque année elle change. Et donc là, cette année, c'était une malle en acier avec un couvercle cintré. Et pour pouvoir se démarquer un petit peu, ils nous laissent une partie de la pièce libre. Du coup, cette année, c'était les poignées du coffre. Par exemple, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, on ne pouvait pas souder les coupes à l'extérieur, etc. C'est des choses qui sont pas bien habituelles dans nos métiers, du coup c'est assez difficile et ça, on sort de notre zone de confort et c'est ça qui est intéressant. Et du coup grâce à ça, donc ma pièce elle a été envoyée à Lyon pour être jugée au niveau du département et de la région. Donc j'ai réussi à avoir la médaille d'or à la région et au département, ce qui m'a permis d'aller au niveau national. Et ils ont envoyé ma pièce à Angers pour être jugée et du coup j'ai eu une médaille d'or aussi au niveau national. Et je devrais être invité à la Sorbonne pour la remise des médailles du coup. Camille Sénégon est donc en apprentissage dans mon atelier à Morillon, atelier Saint-Martin. C'est un jeune qui mérite. Il mérite d'apprendre et c'est un plaisir de transmettre le métier à un jeune comme ça qui arrive à s'épanouir au fil des mois. Je suis fier parce que je me retrouve auprès de lui. Je dis, quelque part, il y a une part de moi qui est aussi avec lui. Et tous les maîtres d'apprentissage qui ont des apprentis auprès d'eux, qui réussissent ou qui ne réussissent pas, ils ont toujours quelque chose au fond parce qu'ils ont ce qu'on leur donne.